Bonsoir à tous, vous êtes sur les antennes de Gabon News pour vous informer. Voici les titres du journal. Organisation des audiences foraines correctionnelles depuis quelques jours dans la commune d'Ovindo. Le parquet de Libreville tente de se rapprocher des populations afin que ces derniers comprennent le fonctionnement de la justice et ses règles de procédure. Et puis, grève à Pogab, la société de plaquage d'Okoumé du Gabon. Les agents de cette société réclament plusieurs mois de salaire impayés à leur employeur. Et c'est le maire d'Ovindo, Jeanne Bagou, qui les a reçus. Mesdames et messieurs, merci et soyez les bienvenus dans ce journal. Le parquet de Libreville organise des audiences foraines correctionnelles depuis mercredi dernier dans la commune d'Ovindo. Ces audiences foraines visent à rapprocher la justice des justiciables, un exercice qui va sans doute permettre aux populations de comprendre le fonctionnement de la justice et ses règles de procédure, suivant le reportage de Martial Tsonga et Refui Tsoga. En tout, 11 dossiers inscrits pour les audiences correctionnelles foraines. C'est un exercice qui permettra aux hommes et femmes en noir et blanc d'édifier les populations venues pour la circonstance. Les dispositions pertinentes de l'article 283 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'en début d'année, le président du tribunal fixe un tableau qui organise les audiences correctionnelles, qui indique les dates et les lieux où ces audiences foraines doivent s'organiser. Et les audiences foraines, justement, ont cet objectif de rapprocher la justice des populations. Parmi les 11 affaires inscrites à l'ordre du jour, on note plusieurs dossiers qui proviennent de la commission des délits. Et ce sont ces affaires qui seront examinées tout à l'heure. Et nous espérons que les justiciables, les prévenus, tous les prévenus sont là, et également la population, pour venir s'informer des conditions, des circonstances relatives à la constitution de l'infraction pour une meilleure éducation de la population. Les dossiers délictuels, ce sont les dossiers qui proviennent des délits, puisque dans la nomenclature des infractions, il y a les contraventions, il y a des délits et au sommet, il y a des crimes. Donc, pour l'instant, nous allons examiner les délits. C'est pourquoi c'est une audience correctionnelle. Ici, un des objectifs visés par le parquet est d'instruire, éduquer et permettre aux populations de comprendre le fonctionnement de la justice et ses règles de procédure. Nous restons dans le cadre des audiences foraines. Sidonie Flore Houé, procureur de la République gabonaise, s'est prononcée sur le cas où un prévenu venait à décéder avant ou pendant le procès. Elle répond au micro de Martial Tsonga sous les images de Refui Tsoga. Les magistrats n'ont pas un pouvoir détaché des textes. Tout est prévu par les textes. Le décès d'un justiciable met fin. Donc, dans notre jargon, on dit que ça aboutit à l'extinction de l'action publique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si le ministère public, c'est-à-dire le représentant de la société, est là et poursuit quelqu'un, le ministère public intervient pour le compte de la société. Donc c'est parce qu'il y a une présomption de la violation de la loi que la société, à travers son représentant, vient demander au tribunal la condamnation donc, de l'auteur soupçonné donc, de cette infraction, de cette dérive, je veux dire, comportementale. Maintenant, si la personne meurt, puisqu'il y a le principe, il y a des principes en droit, et parmi ces principes-là, il y a le principe de la responsabilité personnelle de l'auteur soupçonné de l'infraction. Autrement dit, on ne peut pas aller prendre son parent pour venir répondre des faits qui lui sont reprochés. Dès lors qu'il décède, eh bien, il y a extinction de l'action publique, le principe prend forme. Le principe de la responsabilité personnelle de l'auteur soupçonné de l'infraction prend forme et à ce moment-là, les poursuites vont s'éteindre. Cela dit, si effectivement le comportement qui est reproché à ce délinquant ou à ce prévenu a causé un préjudice à une autre personne privée et non à la société, si le comportement a causé un préjudice, eh bien, la victime de ce préjudice-là peut tout à fait ester devant les juridictions civiles, d'accord, contre les héritiers de celui qui décède en plein procès.
Je vous l'annonce en titre, les agents de POGAB, la société de plaquage d'Okoumé du Gabon, observent un mouvement de grève à la mairie d'Ovando. Ils réclament plusieurs mois de salaire impayé à leur employeur. Ils ont été reçus par Jeanne Bagou, maire de la commune d'Ovando. Retrouvons Martial Tsonga et Refui Tsuga. Ces agents debout pour les uns et assis pour les autres sont des employés de POGAB. Entendez, plaquage d'Okoumé du Gabon. Ils observent un mouvement de grève depuis quelques jours pour non-paiement de leur salaire. Reçue par la mairesse d'Ovando, cette dernière leur a prêté une oreille attentive. Nous nous sommes rapprochés encore de notre tutelle pour dire où on en est, parce que jusque-là, on n'a rien. Certains d'entre nous ont été menacés par les bailleurs. D'autres, les enfants sont quittés des écoles privées. Et aujourd'hui même, on vient ici malgré nos forces. Malgré nos forces. On a pensé, on a jugé utile parce que partout où on passe, on nous dit non, le problème se trouve au tribunal. C'est le tribunal qui doit déceler les locaux. Et les partenaires disent qu'ils peuvent nous payer rien que si les locaux sont ouverts. En prenant la parole à son tour, la mairesse d'Ovando a tenu à rassurer les plaignants. Madame le procureur et le président du tribunal nous ont vus et nous en avons déjà parlé de ça. Je crois que tout à l'heure, lorsqu'ils auraient déjà terminé avec les audiences, je ferai le compte rendu à Madame le procureur et au président du tribunal. Soyez-en rassurés que vos cris sont les nôtres. On ne peut pas continuer à rester comme ça, tout silencieux. Ce n'est pas possible. En tout cas, les élus que nous sommes, nous allons nous battre à vos côtés pour que justice soit rendue. Ces agents qui disent être menacés et parfois chassés par les bailleurs et dont les enfants ont arrêté les cours faute de moyens, demandent simplement de rentrer en possession de leur dû. C'est désormais avec la peur au ventre que certains Libreville empruntent les taxis. Plusieurs arrestations et messages issus des réseaux sociaux faisant état de certains faits mettent en cause quelques taximens. La situation est donc inquiétante dans divers coins de la capitale gabonaise. Suivons le récit de Kenny Ongori. Libreville serait-elle devenue la capitale de tous les dangers? Une question en suspens au regard du nombre de plus en plus croissant de braquages dans cette ville, surtout à bord des taxis. En effet, depuis quelques temps, nous assistons impuissamment à de nombreux coups de braquage de la part de pseudo-taximens. Pour dénoncer cela, des clients usent désormais des réseaux sociaux. Ce message sur WhatsApp a été distribué au maximum d'un individu à un autre, puis à plusieurs autres, à une vitesse qu'il a bien répandue. Il indique ce qui suit. Taxi braqueur, suivi de son numéro d'immatricule, et son prénom. Un message qui décrit même le type de comportement du taximan et le site sur lequel son équipe lui opère. De l'autre côté, il y a le dernier fait évoqué par le quotidien L'Union dans sa parution du 11 juin 2015, en sa page 10, qui fait état d'une équipe constituée de 3 repris de justice qui opéraient à bord d'un taxi dont l'immatriculation a été dévoilée. Ces malfrats dépouillaient des paisibles citoyens sans en être inquiétés pendant plusieurs tentatives, et ce jusqu'à ce que la police intervienne finalement. Mais combien de forfaits avait-il déjà commis? Dans les foyers et bistrots, il est difficile de ne pas évoquer la question, tant elle fait peur aux usagers. Comment prendre un taxi? Dans quelle zone et à quelle heure? Voici les questions que se posent les Librevillois qui pensent à leur sécurité. Mais que faire lorsque ce moyen est resté pendant longtemps et le seul pouvant servir pour tout déplacement? Taxi ou clan d'eau? Plus rien ne rassure les habitants de la capitale gabonaise au regard des annonces faites et des arrestations allant dans ce sens. Un choix qui s'impose et une sécurité pas toujours garantie pour les usagers. Qu'à cela ne tienne, on l'emprunte quand même dans l'espoir d'arriver à bon port. Comme le dit l'adage, un homme averti en vaut deux, doublé de vigilance, mais n'ignorons pas que ces cas enregistrés ne sont pas généralisés. Après la cérémonie d'ouverture du 15e colloque mondial des régulateurs qui a vu la participation d'un certain nombre d'hôtes prestigieux, le directeur de l'Union internationale des télécommunications et son homologue gabonais Lin Mombo, président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, se sont prêtés aux questions de la presse. C'était un reportage signé de Justin Bitégué. C'est en présence de la presse que le président de l'ARCEP a réaffirmé la volonté du président de la République à s'engager dans un vaste programme de modernisation et de construction des infrastructures de télécommunications, le tout dans le but de réaliser la connectivité complète du pays. Je rappelle que le GSR Global Symposium for Regulators est une conférence importante dans la hiérarchie des conférences de l'Union internationale des télécommunications. Le Gabon devient le pays phare pendant les 3 jours sur toute la problématique de NTIC. Je vous remercie.
Après avoir félicité la presse pour le travail abattu, le directeur de l'UET a déclaré que tous les pays ont besoin non seulement d'une infrastructure de TIC solide, mais aussi des cadres juridiques adaptés, susceptibles d'encourager l'investissement et l'innovation. Ici, nous réunissons les régulateurs. Il y en a plus de 160 maintenant dans le monde, des régulateurs indépendants, qui viennent discuter avec les opérateurs, avec le secteur privé, pour voir un peu comment on peut ensemble booster le développement des TIC. Et les incidences sont importantes et potentiellement très intéressantes pour les marchés comme le Gabon, où le mobile est déjà une plateforme. Cette rencontre donne l'occasion au président de l'ARCEP d'être l'ambassadeur de près de 400 personnes pour vulgariser et pour faire la promotion de ces bonnes pratiques à travers le monde. Enfin sport, le président de la Ligue nationale de football, Brice Mbika Djombo, a échangé ce mercredi 10 juin à Libreville avec la presse sur le bilan technique de la phase aller du championnat national de football de première division. Aussi a-t-il évoqué le déroulement de la Super D2. Retrouvons Justin Bitégué. C'est par une rencontre avec la presse que le président de la Ligue nationale de football a profité à dresser le bilan technique de la phase aller du championnat national de football de première division. Nous avons donc, dans un laps de temps de 2 mois et 10 jours, bouclé la première partie de notre championnat qui, comme vous le savez tous, avait connu un énorme retard dans son démarrage cette saison en raison de l'absence de financement lié à son organisation. De manière générale, nous retiendrons que la première phase du National Foot a été d'un bon niveau. Nous avons organisé pour la phase aller du championnat national de première division 78 matchs pour 173 buts marqués et 275 avertissements. Une occasion également de présenter aux hommes des médias le déroulement de la Super D2. Pour ce qui est de la deuxième division, c'est un championnat qui se joue à 2 poules. La poule A a 7 équipes, la poule B également 7 équipes. Même si au départ, il était prévu que le championnat de deuxième division se jouait à 15 clubs, nous avons enregistré avant le démarrage du championnat de la deuxième division un désistement. L'équipe d'Océan Club La Nyanga qui n'a plus participé à cette compétition pour des raisons qui lui sont propres. Nous pouvons noter que la reprise de ce championnat professionnel pourrait être conditionnée par le versement de la subvention dans les délais raisonnables qui lui auraient dû par l'État gabonais. Voilà qui met un terme à cette édition d'information, mais avant le rappel des principaux titres développés dans ce journal. Organisation des audiences foraines correctionnelles depuis quelques jours dans la commune d'Ovindo, le parquet de Libreville tente de se rapprocher davantage des populations afin que ces derniers comprennent le fonctionnement de la justice et ses règles de procédure. Et puis, grève apogable, la société de plaquage d'Okoumé du Gabon, les agents de cette société réclament plusieurs mois de salaire impayés à leur employeur. Et c'est le maire d'Ovindo, Jeanne Bago, qui les a reçus. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.